Bonjour et bienvenue à tous les passionnés de Formule 1. Tous les regards sont maintenant rivés sur la grille de départ et le public observe avec attention les derniers préparatifs de la course. Davide, pensez-vous que la course aujourd'hui aura quelque chose de différent? Les écuries sont toutes très compétitives pour le moment. Donc allons-nous voir quelqu'un en particulier faire une percée? Bonjour Alex. Je ne suis pas certain de voir quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire en ce qui concerne les manœuvres à risque. Mais les écuries ont étudié tous les concurrents très attentivement. Donc je crois qu'on va avoir droit à une course très intéressante aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est la fin de la course, rendez-vous au parc fermé. Harden l'emporte aujourd'hui sur une prestation exemplaire. Je suis curieux de savoir comment vous expliquez ce triomphe, mon cher Davide Valsecchi. Il a su prendre l'avantage grâce à sa gestion de la température de ses pneus. Il n'y avait de toute façon pas beaucoup d'adhérence aujourd'hui, mais c'est encore pire pour les pilotes qui ne parviennent pas à maintenir leurs pneus dans la bonne plage d'utilisation. C'est parce qu'il a réussi à garder ses pneus chauds qu'il a surpassé les autres aujourd'hui et qu'il a remporté cette victoire. Place à la cérémonie du podium. Dans une écurie dont la philosophie consiste à offrir aux jeunes pilotes un volant et une chance de gagner, c'est Harden qui l'emporte aujourd'hui. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. L'avantage du pilote leader au championnat vient de se réduire après cette course particulièrement difficile. Alors, Davide Valsecchi, quel pilote a réalisé la meilleure prestation aujourd'hui? Je pense que c'est Louis de Letraz. Il a été majestueux aujourd'hui, rien à redire sur sa conduite. Passons donc aux écuries. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. Trident a également réalisé une très belle course de F1 ce week-end. Saluons cette performance de l'équipe italienne qui lui permet de progresser au classement.
On espère vous retrouver dès la prochaine course pour encore plus de rebondissements et d'actions et pour découvrir, qui sait, un nouveau vainqueur.